second was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guy. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite du championnat 1999 de Formule 1, où, comme vous l'avez remarqué, on a zappé la course de Manicourt. Je l'ai expliqué en live, mais je le répète ici pour ceux qui ne suivraient pas. Donc, comme on a eu un crash du jeu, que j'ai essayé trois fois dans la même vidéo d'aller plus loin sans succès, et ben on abandonne. Donc, du coup, on est dernier. Donc, c'est Schumacher qui marque le plus de points avec 10 points. Hakkinen 2e, Coulthard 3e, Frentzen 4e. Un petit point pour la steward de Rubens Barrichello. Au niveau du championnat des pilotes, alors ça se resserre vraiment puisque du coup Schumacher est plus qu'à 4 points de nous. On a Andy Irvine toujours 3ème, Hakkinen 4ème. Les McLaren sont complètement à la rue, ce qui est pas normal, mais bon, c'est un peu la vie. Rubens Barrichello qui est 9ème qui a 3 points et on a seulement 9 pilotes qui ont marqué des points pour le moment. Donc on va faire continuer. On va voir donc le championnat constructeur avec Ferrari qui a 69 points, on est 2ème. McLaren qui a plus que 1 point de retard sur nous. Jordan, 4ème, pas solidement, il y a quand même que 2 points d'écart, enfin 3 points d'écart avec Williams. Et Stewart est 6ème. Donc c'est parti, on va faire donc la course de Silverstone en espérant qu'on n'ait pas de problème, ça serait vraiment bien. Voilà, donc si Silverstone y a un problème, je pense que ça sera the end of the championship, because voilà, vous aurez compris, ça n'a plus aucun intérêt. Ah, il fait beau, ça c'est cool. On va faire les qualifications. Et donc, on va avancer le temps. Voici le meilleur circuit de Formule 1 où les passionnés sont toujours au rendez-vous. Il n'y a personne sur la pile, donc c'est parfait. Il y a une ambiance incroyable. La combinaison de virages rapides et lents ne facilite cependant pas les réglages. Allez, nous sommes partis. Oula, complètement à l'extérieur. Sur ce magnifique circuit de Silverstone dans sa version avant 2010 ou 11, je sais plus. Allez, donc le Magos Beckett-Jackel qui est toujours présent, ça par contre heureusement ils l'ont conservé, c'est quasiment l'un des meilleurs passages de ce circuit. Alors qu'ils n'ont pas gardé la descente avec le pont, mais bon ça c'est autre chose. Alors je n'ai pas rencontré de bug en essai, mais voilà, on sait jamais, le jeu peut planter à n'importe quel moment. Donc pour le moment on va refaire la vidéo comme si de rien n'était. Donc Silverstone 99, ben, c'est une date assez importante puisque ça va chambouler totalement le championnat 1999 en sachant que ben, c'est ici que va avoir lieu le fameux accident de Schumacher qui va se planter dans le mur de pneus au milieu du premier tour. Alors, difficile de comprendre pourquoi il y a eu cet accident. On pense que c'est une erreur d'interprétation avec Irvine, le fait d'avoir freiné d'un coup peut être une... des freins défectueux, on sait pas trop. Et quoi qu'il en soit, la Ferrari elle est donc tirée tout droit. Pas ici, mais pas loin. Pour aller passer dans le mur. Le mur de pneus, je précise, hein, mais bon, heureusement que le mur de pneus était épais, parce que franchement, à la vitesse où il est planté en plus tout droit, c'était assez violent. Et du coup, ça va chambouler le championnat. Puisque du coup Schumacher est out pour plusieurs grands prix, il va revenir au grand prix de Malaisie. Je suis en retard sur Hakkinen. D'ailleurs c'était le virage d'avant, il me semble hein, que c'était planté. Je tire tout droit. Ouf. Il a arraché une partie du mur sur son passage. Voilà, du coup on est sorti. Il va falloir que je refasse un tour. Bon, j'ai deux essais donc c'est pas trop grave. Et donc cette course qui avait été remportée par il me semble David Coulthard, puisqu'Hakkinen avait eu aussi un problème, hein, il avait eu un problème avec la roue qui s'était désolidarisée de la voiture en gros, donc il s'est retrouvé sur trois roues avant l'entrée des stands. Il y a vraiment eu du bol, ça lui est arrivé juste là justement, ici. Mais je crois qu'il n'avait pas marqué de points.
En tout cas, voilà, le championnat commençait à être un peu faussé, puisque maintenant c'était Irvine qui allait devenir chef de file. Et chez McLaren, toujours Hakkinen, mais malgré ce, vous allez voir que dans la 199, McLaren n'a pas spécialement plus en profiter de la façon de Schumacher. Voilà, je vais essayer de faire un meilleur partiel, j'espère que ça va tenir. Voilà, c'était après la fin de la ligne droite hein, qu'il a tiré tout droit. 6 dixièmes d'avance. Ça ferait plaisir d'aller taper Hakkinen en qualif, mais bon. Peut-être pas trop rêver, hein, ça sera faisable peut-être, on verra. J'ai bu copieusement de la piste pour prendre une meilleure trajectoire. Ça sera pas de trop, hein, parce que il a l'air rapide le Finlandais là. Et donc dans la ligne droite, on va voir ce que ça nous donne. Pole position. Et voilà, pole position avec 2 secondes d'avance. Énorme. Allez, on va faire fin de qualification pour voir un peu notre classement sur la grille. Donc on va faire course. Bah regarde, j'ai la voiture, j'ai pas trop envie de le changer. Il est quasiment parfait. Et je partirai, promis d'ailleurs. Donc on va faire course. En pole position, Stéphane Sarrazin. Alors normalement le son devrait être un peu mieux, il devrait peut-être un petit peu moins saturé. Ça devrait être un petit peu mieux que la dernière fois. Michael Schumacher. Bon, Schumacher pour l'instant 6ème, c'est la seule surprise. Schumacher. 7ème place, Enzo. Allez-y, pas trop mal, 9ème. Démonil. 9ème place, Jean Alési. 10ème place, Giancarlo Fisichella. 11ème position, Johnny Herbert. 12ème place, Jarno Trulli. En 13ème place, Rubens Barrichello. 14ème position, Jacques Villeneuve. 15ème place, Alessandro Zanardi. 16ème place, Olivier Panis. 17ème place, Pedro Diniz. Ah, Wurz, il part 18ème. Alexander Wurz. 19ème place. Et de Zarose et Minardi. Et de la Rose. Donc c'est parti. Et c'est parti. Oui, il fait de chaleur quand même, j'ai pas fait attention, mais ils sont. Et le départ qui s'est plutôt bien passé. Attention à Kylian sur le côté. Il va prendre l'intérieur. Il a pris l'intérieur d'ailleurs. Voilà. On est entouré des deux Ferrari. Peu d'incidents à déplorer. On reste à l'intérieur, c'est bon, ça passe. Ouh, la Ferrari qui essaie de nous embrocher. Eh, ils sont rapides. Ah, c'est ici. Hein. Au revoir Schumacher, non, je rigole. Non. Puis bon, il s'est quand même fait une double fracture du tibia péroné de souvenir. Ah, j'ai pas loupé. Ils ont l'air quand même assez rapides hein, en course. Du coup, ça a l'air d'être assez intéressant. Et oui, je prends bien les trajectoires. Même j'en abuse un tout petit peu. Et Hakkinen est quand même vachement fort devant. Oh, attention, là, il essaie de pas faire trop de bêtises. Et Schumacher à l'intérieur. Oh, il a bien vu, là. Bien vu de la part du pilote allemand. Et on va donc repartir pour le deuxième tour. Et pour le moment, bah, l'IA, ma foi, qui se réveille, j'ai l'impression, ce tracé. Irvine Fulton Frenzen, pas de surprise pour le moment. Je suis à fond. Il remonte rapidement derrière lui. Ah, je suis vraiment à fond, on va prendre inspiration, on va se décaler là. Et du coup, on va passer à Hakkinen de la Rosa qui abandonne. Ouh, il m'a dépassé un tour. Ah, j'ai freiné au dernier moment pour prendre le virage. J'ai glissé légèrement et c'était pas le bon plan. À l'extérieur sur Hakkinen, attention. Oh là là, on est côte à côte.
vais essayer de me remettre sur la ligne. Ça doit faire mal. Ouais, on s'est touché légèrement. Ouais, pour l'instant c'est passionnant, c'est cool. Ce qui manque un peu à ce championnat. Hein. À chaque fois au virage, j'ai l'impression que je pars trop large. Je devrais garder l'intérieur. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est un risque de me faire attraper par la Ferrari. Et d'ailleurs, la Ferrari qui y sont plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, le classement a changé. On aura les positions après deux tours. Je te prends d'enfant, ça. Coulthard, Frenzen, Norven, Schumacher. Ah, il y a Schumacher qui a abandonné. Bah oui, bah comme en vrai, j'ai envie de dire, mais. C'est Raph Schumacher, du coup, qui est 6ème. Irvine a glissé aussi. Hein. Et David Coulthard sur la McLaren qui est en tête pour le moment. Ah, c'est Coulthard, c'est pas Hakkinen, hein. Pourquoi je dis Hakkinen? Et voilà, Schumacher qui a abandonné. C'est qu'il est en train de mettre un vent, le pilote écossais, pardon. Écosse qui d'ailleurs n'a pas envie de sortir de l'Europe, hein, et je pense qu'il. Je sais pas comment ça va se passer cette histoire, d'ailleurs. Je suis à fond. Hein. Ah, je vous mens pas vraiment là. C'est compliqué. Cool. Il est chez lui, enfin, on va dire sur Nil. Donc il donne tout ce qu'il a. Attendez, non, c'est Hakkinen, pardon. Pourquoi j'ai dit Coulthard? Va-t-il réussir à le dépasser? J'ai dû rêver. Ah. De l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Ah. Oh, ça va être compliqué. Oh, à l'intérieur, magnifique. Dépassement osé. On a le point fatigué du troisième tour. Il 7ème. Je crois qu'il avait marqué un point, il avait fini 6ème. Ah, j'ai perdu la vitesse. En tout cas, si McLaren finit 2ème ou 3ème, ou même si elle remporte la course, ça va être chaud pour nous, parce que du coup, championnat constructeur, bon là on les annule, hein, parce qu'on finit premier, parce que ça fait 10 points à 10 points. Mais en tout cas, ça leur fait remonter sur Ferrari. Ok, c'est pris comme il faut. Il faudra pas relâcher la vitesse. Hein. Cela pourrait bien relancer la course. Ah, mais il se passait quelque chose derrière, à mon avis. Ouais, cette partie-là, elle y est plus. Et j'ai doré cette portion. Et cette descente, ce virage à droite. J'ai tiré à l'extérieur. Heureusement que j'ai conservé la ligne intérieure parce que sinon il me dépassait. Oh, je fais n'importe quoi. Allez, pour le moment, Hakkinen, Coulthard, Norvain, Frenzen, Ralf Schumacher, Damon Hill, Barrichello. Ah, je suis juste, finalement je freine pas. Ça va passer. Ah, j'ai repris un petit peu d'avance sur les deux. Elle est vraiment devant tout le monde. Hein. Ça fait longtemps que j'avais plus autant de pression hein, avec Melbourne. Attention. Oh la vache. On dirait pas, hein. Mais la moindre erreur, je suis out. Et je suis vraiment à fond. Hein. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Voilà, c'est pif-paf à droite, là. Magnifique. Ils sont toujours là. Hein. Alors, on n'a pas eu d'avarie pour le moment sur le championnat. J'espère qu'on n'en aura pas. Même si ça serait probable qu'on en ait. Enfin, ça serait possible qu'on en ait, pas probable, mais. Ouais, j'essaie de prendre les trajectoires les plus coupées. Et j'ai fait le meilleur temps autour. Par contre, ça m'a pas empêché d'être toujours au même stade avec eux. Et on est quasiment. On a passé la mi-course. C'est Panis hein, qui a abandonné donc avec Alexander Wurz. Et voilà. Oh non! Oh, fou.
Ok, pour le moment, on tient. Alors, je pense pas que ce soit un nouveau record du tour, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Non, une 16, toujours pas. Oh non! Oh, ça y est, il est dans le sable! Oh, j'ai du bol. Ils m'ont pas rattrapé quand même. Après, c'est vrai que j'ai tellement pris vite. Normalement, on peut le prendre à fond ce virage, hein. Mais bon, là, c'est pas passé. Et Akinen, donc est pas revenu, fait légèrement revenu, mais pas trop. En tout cas, pas assez pour m'attaquer. Cela pourrait bien relancer la course. Et apparemment, il y a encore eu un abandon. Eh, hey, il est à côté! Il est à côté, le pilote finlandais! Ah, j'y suis tout droit! Et juste derrière! Oh, la prise de rythme! Il va pas me lâcher hein, pour le moment. Je suis en train d'avoir trop les rétroviseurs enfin derrière moi. Du coup, j'ai plein d'erreurs. Bon, on a repris un peu d'écart, c'est bon. Et quelques parties où on est plus rapide quand même. Cela pourrait bien relancer la course. Encore ! Pas rien d'abandon. Par contre, j'ai pas l'impression que ça touche la tête de course pour le moment. Allez, il reste plus 3 tours à parcourir. Ouais, j'ai trop pris à l'extérieur là. Mais c'est bon. Ok, plus que 2 tours à parcourir. Je fais n'importe quoi. Allez, 9ème tour. Coulthard toujours 3ème. 4ème Norvine. Ralph et Hill. Then Barrichello. Je sais pas qui c'est qui a abandonné. Oh bah là par contre j'ai pris une énorme avance dans la ligne droite. Si le spectacle ne vous fait pas chavirer, alors je n'y comprends plus rien. Ok, bon bah là ça se passe bien. On est même en train de rattraper des pilotes devant nous. Alors je doute qu'on les rattrape en un tour, mais bon. Quand même pas mal revenu. C'est un dernier truc, c'est ce qui me motive justement à aller encore toujours plus vite, parce que sinon on va relâcher la pression, on va se faire des erreurs. Nous sommes à la moitié de la course. Alors moitié de la course, comme d'habitude, hein, il a rêvé. C'est la fin de la course plutôt. Le dernier est dans Magos Beckett Chapel, donc ça va être compliqué. Et voilà. Je pense qu'on peut faire le meilleur tour. Ah bah on a fait le meilleur tour d'ailleurs, 1:15-7. Tiens, toujours.
Bah, ça va être compliqué quand même d'aller rattraper le pilote devant. Allez, passer après le champagne trop vite, hein. Ah, pour moi. Il a été au top tout le week-end et a vraiment mis toutes les chances de son côté. Espérons que ça tienne, s'il vous plaît. Et c'est bon. Et voilà, donc victoire à Silverstone, 11 secondes devant Hakkinen. Au début, ça commençait bien et finalement, on a quand même réussi à prendre le large au fur et à mesure. Bon, après, il faut dire aussi que les trajectoires, on commence à les connaître, donc on est plus rapide. Et on a, alors c'est un peu bizarre parce qu'en fait c'est un Irlandais, un Écossais et un Anglais. Mais bon, on a trois drapeaux anglais, 3e, 4e, 5e position. Dans tous les cas, donc on remporte la course et ça nous donne un petit peu de humble d'air, surtout que Schumacher n'a pas marqué de points. Donc j'ai pas le temps de la suite pour voir le championnat pilote et constructeur. Et au championnat, du coup, on a un petit peu, largement toujours un peu long. Voilà, donc le résultat final, on l'a vu, pas mal d'abandon, hein, j'ai l'impression. Takagi, mon coéquipier est 15e. Alors, donc, suite à ça, on a donc toujours en tête. Par contre, cette fois-ci, on a maintenant beaucoup plus d'avance, hein, on a 14 points d'avance. Hakkinen est revenu à 10 points de Schumacher, Irvine, David 2, ouais, pas trop de changements en arrière. Mais Frenat, il ne marque pas tant de points que ça. Hein. Il est quand même juste à un point d'écart. Et normalement, les Jordan sont censés décoller à partir du moment de la saison. Donc je pense que le jeu n'a pas géré ça, mais bon. Ça arrive. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc, là, chez Ferrari, bah, ils sont toujours devant. Hein. On a récupéré un peu de points, mais c'est pas beaucoup. Par contre, voilà, les McLaren, hein, ils ont fait 10 points aussi. Donc ils sont toujours qu'à un point. Donc on est en sursis pour la deuxième place toujours. Jordan 14 par contre, là s'éloigne un peu plus quand même. Williams fait que 4 points d'écart, mais bon. Vu qu'il grappille pas beaucoup de points, en général il grappille la 5ème et la 6ème place, voire la 4ème maximum. C'est très difficile de rattraper autant de points. Et Stewart toujours 6ème. Donc, écoutez, on se retrouve pour la suite du championnat 1999. Je pense cette fois-ci avoir raison en Autriche. S'il vous plaît, dites-moi que c'est ça. Voilà, là un ring. Espérons ne pas avoir de bug. Vous le saurez de toute façon dans la prochaine vidéo si elle sort évidemment qu'il y aurait eu du bug ou pas. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde.